الزفلون طونا ماينوث تسجلت أسنقذ ويس 18 دوين أغيا وين دمسلاي غاف ثمسال تنتو ثلايين أشكو غدا بو غد زيغير يال ثكل تدي بدل أذي بغدي بدل ثمن داو ثي تساويد سنة ثمسال تكير نتو ثلايين أمكان نسلت ذي ثمتسير نبقى بواسع نسنقذ ديون ديون كنير يزغاني تساويني مجرثن سوازل انسان يال فيك التذيلي وغفل ماذا ثموث ماذا مضال يتاويد مجرذن ازم مطرم ذي قرميس منقار لمتان دالجيري ويني من سمازيك متان دي زاد وكيذ ماس محفوظ ميس عودانا سيني غازوف لك محفوظ زولا رشيد زولو قاعد يسلل زولا كمال كمال أزولف لك كمال زولا رشيد زولين بينا محفوظ محفوظ ميساودان يراد السنة كي كان يون ومجراد ميسمع الفرنسي كم لونغ أوفيسيال ميساودان أخي تسامض شو إيو شو تغيظ أما جراد كي زولا رشيد الدنيا دي أنت تنمير فون عرض قاعد بضع تي كي 5 سي توجور ان بليزي دات فارمي فو ذايني لهنا يتخدمه En fait, tenir des zouves d'avoir la rachite, tenir des semaines d'août parce que la constitution en ce moment avec Teboul, il voulait la faire passer en catimini. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la risque de haut. Donc, il sert à guider toutes les lignes. Donc, ça fera un système qui est quand même, il a, c'est un, on peut dire quand même, c'est un. Il va faire partie de son gouvernement. Il souhaite faire partie de son gouvernement. Il n'arrête pas de lui jeter des fleurs. Mais bon, il a proposé un projet de loi pour criminaliser la langue française, les usagers de la langue française. Quand même, c'est grave ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train aussi de proposer. Voilà, qui est bon. Et puis, de quoi voilà, faut voilà qui a fait cela. C'est donc ceci qui est à trouver que le ministre sur lequel il y a dans les débats, il y a toujours la question à dire. L'Algérien avec quoi qu'il doit travailler, il va privilégier quelle langue. Donc la langue française quand même, elle a pris ancrage dans notre pays. Avec, il y a l'azur d'histoire, on sait tous, la France était là bien sûr, elle a comment dire, leur langue a pris place dans notre société avec les années, ça fait depuis plus d'un siècle. Et puis aussi, dirons-tu, même le gouvernement, même nous avec dans la société, l'usage de la langue française quand même, on l'utilise souvent. Mais chez des nègres, il y a Mason, les écrivains, mais chez des Younes, c'est des centaines d'écrivains qui ont Igorinst, Kavailist, Jvidest, Francis. Il y a beaucoup de journalistes qui écrivent. Chez les Mason, ça c'est assez nombreux. Et puis dirons, trois que avec l'histoire de la Constitution, c'est vrai que ça ouvre le débat parce qu'avec le mouvement citoyen qui est en train de prendre trop de place, je ne vais pas dire prendre trop de place, mais il est là pour changer les choses. Et bien sûr, la société algérienne est en train de la croiser des chemins. Il y a les arabophones, il y a les islamistes, il y a les francophones, mais il faut quand même un histoire en soi. C'est pour ça qu'il faut sortir la question des langues dans ce qu'on appelle des enjeux politiques. Le quotidien, c'est pour l'intérêt de la nation, c'est pour l'intérêt de la société algérienne pour mieux avancer. Tu vas communiquer, tu vas faire de la recherche, tu vas faire tu vas communiquer, tu vas faire des publications. Et puis, la langue française, quand même, en Algérie, elle a sa place. Voilà un peu ce que je peux dire aussi. Fanny Annan, je dis, pour la langue algérienne, qu'elle soit officielle. Parce que moi, je pense qu'elle a un statut en Algérie. Peut-être qu'il y a une officielle, c'est trop, mais moi, c'est sans tabou que je l'ai dit, parce qu'elle existe. Comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, c'est des pays qui ont été faits. Qui ont été colonisés par la France, notamment comme l'Algérie. Donc, voilà ce qui mène à y aller dans ce sens-là. Telmitha Mahfouz, dans ce carrière, oui, ça se passe à Wissi, le couvert de Rala Ahmed Kamal, Fouskse Nidon. Mahfouz, oui, il faut que nous avons dit 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 que nous avons dit
et ça toutes les français quand métier que tu as la drame que tu as bien bien en prendre une tête d'inan bien français d'ailleurs de jet mars ta français n'a mais va devenir français c'est que le français et le butin de guerre que nous a ligué la France quel est son statut actuellement dans la société. Et bon, les Guinéens, Katbi Yassine, c'est important, surtout pour lui. C'est quelqu'un avec Nijma. Quand il a écrit le livre Nijma, il l'a rendu célèbre. C'est un Algérien qui l'a écrit, ce n'est pas un Français. Et puis, la langue française, malheureusement, on l'a associée au colonialisme. Et c'est pour ça, peut-être, que d'autres, admettons, certains qui pensent que c'est la cause première de notre colonisation, alors que ça n'a rien à voir avec la langue wahed, c'est la nation wahed. Il faut dire que dans le mouvement national, on a combattu la France avec leur propre langue. On a rédigé la plateforme en français. On a communiqué, on faisait de la politique étrangère avec la langue française, avec nos valeurs, comment dirais-je, martyrs ainsi que les mouvements nationaux comme Tahmed et tout, c'est eux qui ils ont travaillé avec la langue française, c'est sans complexe. Parce qu'il y a une menace, c'est pour ça qu'il l'a dit, parce qu'à l'époque, avec l'époque de Boumdien, comment on est arrivé là. C'est les oulémas qui ont pris cette décision d'arabiser la future nation algérienne. Et Nouad Hsin, c'est M. Bachir Ibrahim, qui est son fils, son fils Etal Ibrahimi, qui est devenu ministre sous Boumediene. Et c'est lui qui a pris le projet d'arabiser la société algérienne, au détriment de la langue française, malheureusement. C'est pour ça que les premières victimes de l'arabisation, c'est la génération Katbi Yassine, ainsi que nos parents. Voilà un peu c'était volontaire, malheureusement. Et Mazarin Blik Mustafa Lacharef, qui était aussi ministre de chez Boumediene, le gouvernement Boumediene, en 1977, ils ont trouvé que l'arabisation a fait trop de dégâts. Il y a une régression totale. Là, même la pensée algérienne est devenue c'est dramatique. Donc, Boumediene, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié la tâche à Mustafa Lacharef de lui faire ce qu'on appelle de revoir, de lui trouver des solutions pour remédier la situation. Mais Mustafa Lacharef, c'était une situation impossible. Il ne pouvait pas faire plus que ça, en tout cas selon ses mémoires et tout. Et il est dans une situation embarrassante parce que Boumediene, il maintient toujours l'histoire d'arabiser le système éducatif et universitaire. Donc, il y a vraiment, c'est une équation... ce qu'on appelle beaucoup d'inconnus. Donc, les solutions seront vraiment pratiquement impossibles. Donc, voilà un peu comment la langue française elle a été prise en otage par le courant yagin des baathistes avec les ulémas. Et c'est eux qui ont vraiment décidé sur le sort de la langue la française. Voilà la suite. Tanmiyat mahfouza fi rithinak thoura kamal wari. Kamal Amari, tu vois, il y a des gens qui ont français, qui ont été un butin de guerre, il y a des gens qui ont été un butin de corona de l'islam, qui ont été un butin de guerre. Donc, il y a eu une dîner de Chine, le statut de langue actuellement dans la société. ذاشو ممكن يسعى يل ثلاث تنصليث أكثر جديد يسنسي بغا سيد مهارسة ناسي الإسلام يل ستاتيو ريال أكل ستاتيو دفت ذاشو ممكن يسعى ريال يوث أثن غوريك وصور أسقسي كراشيد يسعى زامليحة خاطر باش أدي فنيوان جست ما كدنا محفوظ مني لي يهضر في statut du français Gilzayer. Réellement, justement, il y a un statut officiel. La constitution, qu'est-ce qu'il est reconnu officiellement? Il y a ce qu'on appelle le statut de fait. Ça veut dire un événement sur le terrain. Sur le statut du français, il a parlé, c'est-à-dire du statut réel, c'est-à-dire de fait sur le terrain, est une réalité réellement au fond. Il a un statut réellement au fond.
le français, il a un statut de caractère officiel non déclaré. Ça veut dire il est officieux en quelque sorte. Donc c'est important justement d'analyser, de voir. Je vais essayer de résumer l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre d'abord par le statut officiel d'une langue et statut de fait par rapport à une langue samfianiste. Gilzayer, et donc il a le statut officiel et il les a mis dans les textes. Si vous connaissez le cycle dans les textes, il nous voulait arabe. Donc, il a, c'est une langue nationale officielle, sur la Karna qui est une langue nationale officielle de l'État. Tamazir, soi-disant, ça a un statut de langue nationale et officielle, mais de seconde zone. C'est pour ça qu'on va comprendre que le pouvoir, il a attrapé ce qu'on appelle, on peut dire presque, c'est une sorte d'idéologie, parle du principe de la diglossie. Ça veut dire, ça a Azal Mokar, Tamazir, il est en seconde zone. Mais nous sommes dans la réalité. Le français, il a réellement au fond un statut officiel, mais il a chose de fait. Pourquoi? Parce que sur le terrain, le français, c'est un mécanisme. Les constitutions, les discours, les communications, tout ça, en français. Mais juste par populisme, il refuse de le dire. De dire son statut réellement réel dans en Algérie. Donc c'est juste par populisme. Le français, soit disant officiellement, il est considéré comme étant la première langue étrangère. Si on va prendre l'exemple de l'enseignement, il est considéré comme la première langue étrangère. Deuxièmement, il y a l'anglais. Après, tu as dit d'autres langues. Ces derniers temps, il y a eu l'introduction de l'enseignement de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, etc. Il y a toute la grevaise. Donc, ça je voudrais dire, donc il a le statut de fait, de statut officiel, un idéal les textes, mais là la réalité c'est différent. Il a ce qu'on appelle la langue véhiculaire, soit disant les Algériens mettent de Melakan. اش كنت قلت لك استخدم لي ديليت نجع لي ديملا قايون دا قبايلي يون ولي سين تاع قبايلي اثنا ذكرا دونك سومتا il y a ce qu'on appelle l'arabe dialectal نستخدم من دي زالجيريان باش نفهم لي راسن دا شو زمر داغونت اللي تاع فرانسيس كوم لا لونغ فيكولير خاطر كان اللي قبايلي ولي سين تاع عرب فالديملا واحد يون نولي سين par exemple ils sont obligés de recourir à l'utilisation du français comme langue véhiculaire. Donc il y a la réalité, mais il y a le caractère officiel qui est tout à fait différent. Donc d'une manière générale, ce qui est accordé officiellement, c'est par rapport à une certaine idéologie qu'on accorde ça. Donc c'est important de distinguer entre le statut officiel et ce qu'est une langue, les textes, et le statut de fait et une langue dans la réalité. Et c'est pour ça justement le français, réellement au fond, il est une langue officielle dans le sens où il y a une réalité de Sardamnet. Famazir, avec ses différentes variétés, Sardamnet aussi dans leur territoire. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je défends à ce que il est mazir dans le sens où on va la construire avec le temps. Bachatil est une langue véhiculaire. Il veut que les mazirs n'y aient pas et non pas une langue étrangère comme langue d'intercompréhension. Donc pour le moment, on pourrait dire que c'est une langue polynomique, ça veut dire que les gens ont des gens qui il a un roche vers la construction d'une langue véhiculaire. فمازيغ يوكني مازيغ يرسن اما قلت مورت القبائل اما دي شوينا مدي بزابينا ما قل مروك اما قل لامبورت كنطمنات نيلان غرافريك دي نور يويد اد سعون ثلثيت يوكت اد مسيفهم يرانا ستوتليت نتمازيغ هكا الرشيد سومتا دا شوز مريد دانيغ في ستاتيو دي لانج نيلان غلزيغ تنمية كمال وتوفاق كي تسقسي ويسين اشكون كشيني ذا بروغرام انا حسين فينا سكا وكاري سقسي في اللايك عطا نوانسل عطا محفوظ ميساودان اسقسي غادي تسدونا محفوظ
وي فوالا دينير دا شو اللي تسوي انه دافورات زايريه زفير وصعرر نسلم ما زعما دينا فرانسيس كيل لي لوبجيكتيف دو لارابيزاسيون دو انسانيمون ديال الجزائر زاد رشيد ديرنيامون زاد ما سيوت تاغي كوريجي موا ايز اون في جو بونس ايز اون يي كيلكان دو ايز اون ايز اون Ils ont fait un nombre, ils ont fait un calcul, bon, c'est pas un calcul, mais ils ont fait une recherche sur le nombre de personnes, nombre de ministres qui ont envoyé leurs enfants à l'école, au lycée à Alexandre Dumas, c'est Mr. Cherbois maintenant. Donc, c'est un lycée français, ça veut dire que les programmes ils viennent de France. 674. Sur 674 ministres, en incluant les ce qui travaille dans la protocole présidence et tout, il y a 672 qui ont inscrit leurs enfants à cette école-là, ce lycée-là. Donc, voilà un peu l'hypocrisie politique, Nitmolfena. Donc, ça veut dire, je peux dire, la majorité, ils ont envoyé leurs enfants pour enseigner, apprendre la langue française. Et puis, aussi, même les islamistes, pour étudier soit en Angleterre, soit en France, soit aux États-Unis. Donc, ça, c'est pour aliéner la société. C'est pour lui donner un statut inférieur. Parce que c'est la langue qui pousse la société, admettons, à aller de l'avant. C'est la langue qui pousse la société à avoir des bons repères, à avoir ce qu'on appelle à penser à son destin. Donc, voilà un peu ce qui pousse le politique en ce moment d'empêcher l'Algérien d'avoir s'émanciper, c'est d'émancipation en quelque sorte. Et puis, la langue française, il faut dire la vérité, le projet de société actuellement, le projet auquel auquel je m'inspire aussi, c'est d'y aller avec, c'est la plupart, c'est des francophones. حتى المثمق التمازيغ سي مولود معامري المثمق يسميس لا ريشيرش الكلية سي دي نغلي لي زيكريفان تمقى من زاوي كمال داوود بوالام سنصال سي تو سو موند لا اي سون ان تران دو سي افيك لا لانغ فرونسيز كي سون ان تران دو شونجي لا سوسيتي الجيريان سورتو بوان دو فيو لا مونتاليتي سي بوان دو فيو اوسي ابروش كي زون افيك لو avec soit avec les médias, mais on remarque Kamel Daoud quand il s'exprime dans Balam Sanson, tout le monde l'écoute, il passe le message algérien. Il y a une règle d'Inir Rachid, mais on remarque tous les gens qui écrivent en français, ils pensent algérien, ils pensent pas français. C'est pour ça que qui nous donne des leçons des politiciens qui bon, comprend leur jeu qui n'est pas d'anecdote ou l'armée d'Awali qui ils veulent nous empêcher d'avancer, mais c'est une réalité, c'est pour empêcher la société d'être en avant, d'être à prendre son destin en main. Il y a notre public depuis Boumdine, ils ont annoncé 12 décrets et 12 ordonnances. Je pense 12 décrets et ordonnances pour annoncer des mesures de loi et de règlements qui sont en rapport avec l'arabisation. Donc, avec Chadli aussi, il y a eu une dizaine aussi, ça veut dire entre loi et règlement. Donc, ils ont envoyé ça pour encore arabiser le système algérien, parce qu'ils ont commencé à arabiser la société algérienne progressivement. Ils ont commencé par l'armée, après ils ont commencé par les écoles, après l'université. Bon, l'université, c'est un massacre, regarde comment ça a mal fini, parce que l'étudiant algérien, ce qu'il faut avec un diplôme en poche, mais ils n'ont qu'une langue, il faut le dire. À date, si l'inquiéné, voilà, sauf la différence les années 80, les diplômés de 80, les diplômés de 90 et les diplômés de 2000, c'est incroyable, c'est une régression totale.
Voilà un peu, Rachid, ce que je peux dire sur ce point-là. Donc, voilà. Il vient comme un donneur de sang, il va essayer d'imposer une discipline, une manière d'enseigner tes enfants. Alors que ses enfants, ils en vont en France. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il a été élu, le forum des entreprises, il parlait avec tout le monde en français et puis il n'était pas à l'aise avec la langue arabe. Donc pour moi, c'est une manière d'être hypocrite. Voilà. Pour l'un avec la Constitution, c'est sûr que la Constitution, il y a un problème avec la Constitution. La plupart des Algériens, ils ne vont pas voter. Donc ils ont fait appel aux islamistes, ils ont fait appel aussi aux nationalistes, soi-disant le FLN, le RND. Et la plupart de ces gens-là, c'est des arabo-islamistes, c'est des arabo-baptistes. Donc, c'est eux qui vont appuyer le projet. Même si, admettons, le bon enfant de lui-même, peut-être il ne veut pas y aller dans ce sens-là. Mais c'est vraiment une hypocrisie politique. C'est une arrière-pensée qui est en train de développer avec Macri Thuller de la Madros, parce qu'il a enflammé les réseaux sociaux avec sa déclaration. Et puis, je pense que ce qui est bien en ce moment, le débat est ouvert, tout le monde avec les réseaux sociaux, on peut s'exprimer. Il y a 20 ans de cela, il a tenu ce genre de propos. Peut-être ils n'auront pas une incidence sur nous, sur l'opinion. Mais avec les réseaux sociaux, et tout le monde, je pense, il n'y a pas que moi, tout le monde a écrit, même des petites phrases pour dire non, cessez, s'il vous plaît, de manipuler la société algérienne, il y a beaucoup de monde qui sont exprimés. J'aimerais bien des autres langues. Ça veut dire, c'est quoi la réalité? C'est que la société veut s'émanciper parce qu'on ira à le Canada, c'est deux langues. Et puis, les gens qui sont bilingues, c'est pas pour insulter les autres intelligences, mais ils sont plus intelligents que quelqu'un qui est unilingue. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, les Algériens, ils ont des souverains. Parce que le pouvoir, ils ont des souverains. C'est vrai, c'est pour se maintenir, pour faire passer la Constitution, pour aussi casser le mouvement de citoyens. Ils cherchent des raisons. Mais maintenant, Marquez Chab, ils ont le chigvra. Le complexe ni de l'arabe dans le complexe ni de Mazir dans le complexe ni, je pense qu'il a tendance à partir. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est le débat. C'est quand les gens expriment, il faut argumenter. C'est ça l'objectif d'aider une langue, comment dirais-je, comme ça, Francis Tagui, quand même, Sam Kennedy, le Zahir. Il est officiellement, elle est là. Tout le monde l'utilise, tout le monde parle en français. C'est une harmonie avec les trois langues. Il va former une phrase. C'est quelque chose qui est en nous. Tu vois, les journalistes. Même au TV, des fois, il y a un bon, il y a un bon, c'est quelque chose qui existe en nous. Donc, de la maquette BSN, il est, oui, c'est un butin de guerre, c'est la guerre originaire, c'est pas fou ce qu'il dit, c'est sensé. Voilà, Rachid. Permettez-moi de vous expliquer à des étudiants, Kamel, à Wifan, Anzar, et Bochum, il y a le culte, ذاشو استراتيجية ذيك لقني وكنيا أمسير في الشكيرة ذي حبس الفذا أكن نظرتي دي نفس فرانسيس ساكي في القرارية ذي كالتاعات لو قديد تولينا ذا ذو التاكية موسينا مليحة
قبل كي تقارن تما في ديناس فرنسيس السير بوكو شاك لو ستاتو دو تامازيغ سوسيت ا شاك فوا une polémique politique et quelle est la stratégie dans ce cas-là pour stopper les réactions épidermiques et dit ça on a un slice à qui on a des choses à mourir on a des choses à mourir Rachid, خاطر نزرى باللي اني يلتغى وسويث اللي شدني اثمازيغ الدارونج شران وليك نيلان سعى انتي مغلي اللي شدني وليك نيلان طفل الحكم غار وليك نيلان بغانا تضوطني الحكم ام اصحاب لي زيسلامس يفو كون سلو ديز خاطر ايواش ديس فهميون اي غار اثمازيغ تشاك فوا السوسيت بوليميك خاطر تمازيغ تاوي تمغلي تاوي ان بروجي دو سوسيتي اون فيزيون دي موند نيلان نيلان اون كونتراديكسيون افيك البروجي تاوي نويه تكني اما تسحب الحكم اما تسحب نمطرفان لي زيسلام داش شي لان كوماريير بونسي زرام بلي تمازيغ ما تسعى ميكانيس كلا سوسيتي الجيريان دون لي انستيتيسيون اكسيترا سا فو دير زرام بلي ايمازيغون تاوين لي فالور ديموكراتيك تاوين تيمور لي وين نيلان اوفرت لدينت في الدونيت وي هداك نيد العباد ني بغان توجور عبد الطفن اكدود من الجزائر اونوتاج يوكن اتشمن كيوث نتموغلي نيلان شود الى رابو اسلاميزم دو مانيير اكسكلوزيف يوكن اكدود من الجزائر ادي كمل ثمغني ليلان شو دا لوريديولوجي دونك خلال تغاول سيوت نيديو نديديوي ثمازيغ اتسعو امكانيس دون لي انستيتيسيون دو ليتا اي جينيراليزاسيون دو لون دو سون انسينيمون تاويد جوستمون اي بوليميك خاطر وغدن نومن نهني دون الكونفور دو لا رابو اسلاميزم دونك سي تري امبورطون دو كومبروندر بوركوا خاطر سومتا تمازيغ تاوي في مغلي ما تشما جلنسن تمغلي نيلان تاوي في قدود تاوي اي ولداي في الدوني دونك سي بور سا كي لي دورونج ثورا هذا كاس سي بور كومبروندر دي مانيير راسون اي واش شوف جور دو رياكسيون ثورا تا شي ودي يخدم يون كيف تولا كيني الا قد دينا غيون دينا غيون يوكن ما شاد يقيم يون يثالوف ثوثلاي نتمازيغ مي ادي روح يون ادي النغيون بور شونجي لو سيستيم دو غوفيرنونس يوكن ادناوف امي تمازيغ دابور ترسي دون لي ريجون بربيروفون يوكن جامي جامي روح ثوثلاي فنا يروح في غرمانا يروح يدلسنا سي تري امبورطون دابور دو بريزيرفي لي زيسباس او اونكور تمازيغ لا خاطر اترافير دارابيزاسيون انا كي قلنا لي اترافير مره لي استراتيجي دو بوفوار فينونسمون دو لترونجي دي بي دو غولف تو سا يوكنا تسغلين هاد السغلين كران تي مناطين مازال عاد تي ريزيست بار تمازيغ خاطر زران باللي طونك مازال عاد تلاني مغناس نتناغن في مازيغ يوكنا تسعى ميكانيس زران باللي سي تي مناس بور لي روديولوجي اي مناس بور بوفوار اون بلاص دونك كان كتولا كاين لازم دينا غيون يوكن ادي روح فير ان اوتر سيستيم دو غوفيرنمون متر فا جاكوبينيزم يوكن في مناطين نهضر ثمازيغ اد سعوند لور سيستير بروبر سيستيم دو غوفيرنونس يوكن ادرسين ثمازيغ ادرسين يدلسيس فغرمايس دون لي انستيتيوشن دونك ا مون افي ثورا يويد ينعدي دو ليتاب دو لا ريفونديكاسيون ثمازيغ تسعدد مشواريس اما سور ان بلون دو برودكسيون سيونتيفيك برودكسيون ليترير اكسيترا كان ميم في الحد افيك افيك لو افيك لو ترافير اين لي انتوراغي تزداد تزداوي فما ديك ديال فيزيك زو بويرا واحد تيني لانك باتنا اما داين عنان تسكلا نيلان لي برودكسيون ليترير الا مشوار هذا سي انسيفيزون مي باسكو لي موك دو مويا دونك وي ادنا روحي زاد بار دي با سامبوزي اوسي بار لا برودكسيون سي امبورطون دو سامبوزي بار لا برودكسيون مي لياس بو بوليتيك il fallait revendiquer un statut qui va permettre justement et on peut dire et la vision nitawin tamazir tamazra et wid tsaoun
un pouvoir de l'octroyer des pouvoirs au niveau local, et aucun zimmer justement de maintenir notre langue et notre culture. Sinon, il y a un risque, on peut dire, de réduire l'espace à Nihadr en Tamazir. Et c'est vrai, en 62, en 2020, il y a pas mal de régions. أني وديك يهضرن ثقبايلي وديك يهضرن تمازيغ ديال التشاويث ديال جو سي با دو سوماتا ديوفت بلي ليسباس يريدوي افيك لارابيزاسيون ديوفت سي دي فامي دي بارون دي غران بارون كيهضرن تمازيغ ديوفت دريانسن صروحهم ثلاثلايف هضرن سنتين طعرة دونك سي امبورطون دو ريفونير بور كي سوا سكولاريزي بور كي دون اي او ميم طون اللي دون لي ميديا avec la télévision de la radio Al-Hamra, et ce qu'il est Tamazir, il fait partie de l'environnement d'Imdanen, et où qu'il n'y a pas d'activité, toujours toujours l'Ouahid Imdan. Voilà, Rachid, il est tout ceci. Thaïm, c'est Kamal, d'où la galama de Mahfouz. Mahfouz, oui, il faut une autre chose, vous pouvez dire, en cas, mais la sidit, nand sidit, et où gharaf, n'a gharafan et tidé, n'a dit غفان يشدنا من قرن فرانسيس لي دوغم الدوغماتيزم يشدنا غير الدين توت لي باغاف غسول ما لان في لي زانتيليكت او غير غران كي اون جو ثرول ميم ما دزا كان يوان امين زاويد وين يزكاني كاسد في الدوغماتيزم كي ريليجيو اي ليكسبورتاسيون دو لانغ عرب بور دي بيزوان دو دومينونس لينغويستيك ديت موساتشو ادينير فاش تاكي راك محفوظ كي غير شد ذايني لا ماشي انا تفرض الدوغماتيزم كي نياخد ممكن الارتيكل كينو سي سا كي في كو كي في كي رتارد سي ان بلوكاج دونك نو اي اون ا كان ميم الدوغماتيزم ريليجيو انسي كو الدوغماتيزم كي دو لا كولونيزاسيون فرانسيز دونك سي ا كوست دو سي دو زيليمون كو لارابيزاسيون ا بري سي ا بي ان كاراج دون الجيري اوسي الا في ريكولي لانغ فرانسيز بروميرمون نناك تعرف c'est la langue du Coran, c'est la langue d'Idine, donc ça veut dire elle ne peut pas, elle mérite sa place et elle est au summum. Ça veut dire, même au détriment de la science, au détriment de la réalité du contemporain en ce moment, on sait que la langue arabe, ce n'est pas une langue qui a fait ses preuves devant la langue française, ni anglaise, ni allemande. Donc, et aussi, quelque dernier, c'est pour le pouvoir, il sert de la région comme une béquille. Malgré qu'avoir Smith-Stella, il est de bougie, Qasim Mould Qasim. Mais je fais ça, c'est un fervent d'arabisation. C'est un, d'ailleurs, comme Smith-Wagithola Bled Salahagi qui a carrément dit que Tamazir, elle n'a pas sa place dans la nouvelle constitution. C'est d'Aqvelia, non, c'est pas... C'est dommage, même Moult Qasim, Guinet Bel Qasim, c'est un d'Aqvelia aussi. Donc, il faut dire, l'islamisme guin, il a été quand même pour quelque chose, pour empêcher les autres langues de prospérer en Algérie. Soit ils menacent contre la Mazir, mais contre la langue française. C'est dommage. Et puis, il faudrait... qui n'a misé, oui, j'aime bien le lire parce que c'est quelqu'un qui bouscule nos consciences. C'est un briseur de tabou, ce gars-là. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. Et c'est le haq, il est saouatit souvent. La religion, c'est une affaire, la langue, c'est une affaire. Puis, oui, il y a un certif, il faut dire la vérité, il manque d'arguments. Et pour, on prend la religion, puisque la religion, c'est sensible. Il récite, c'est pas possible. C'est un blasphème pour lui. C'est comme ça qu'ils ont réussi à créer ce qu'on appelle ce dogme qui fait qu'il bloque la société de passer à autre chose. Pour eux, tant mieux, le débat est ouvert, tout le monde essaie de s'exprimer, on met les cartes à table et on parle et voilà, nous sommes là-dedans en ce moment. C'est pour ça que tout le monde, et j'aimerais bien que tout le monde s'invite dans le débat parce que il y a Darwin Khatalkini, je fais des contributions, c'est mon point de vue, mais il y a des sociologues, il y a des linguistiques, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, qui sont des sommités de mort. Je pense que Darwin Rachid, il y a vraiment
l'apport d'une langue dans une société, qu'elle soit, admettons, soit la langue française, la langue arabe. Mohamed Darkoun, Kamel, c'est un islamologue, il a fait quand même ses preuves, je pense, à la Sorbonne en France. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour la science islamique à Guine. Il a vraiment avancé parce qu'il a décomplexé la religion qui est devenue un dogme. Pour lui, c'est un moyen d'ouverture, c'est un moyen d'enseigner la religion, soit en français, soit en arabe, soit en anglais. C'est le message qui est important, ce n'est pas la langue dans le fond. En fait, c'est juste un outil de communication, mais réellement c'est le message qu'on doit envoyer, donc qu'on doit recevoir. C'est un code. Mais par contre, de nous dire il faut dire un massacre de la société algérienne. En plus de ça, notamment qu'est-ce que l'arabisation des mots, l'Algérie devenait un champ d'expérience. J'étais allé au lycée technique de Tizi Ouzou en 1988. C'est un lycée technique, mais il enseignait en arabe. Mais le problème, les enseignants, ils étaient formés en français et c'était vraiment, c'est pas facile pour l'enseignant, c'est pas facile. Pour nous, c'est pas facile parce que parler de la mécanique en français, en arabe, ça n'existe pas pour moi. Mais tout ça, ça a été quand même un problème qui a fait que aujourd'hui, la société nord, elle a subi un choc culturel terrible, et puis on n'arrive pas à s'en sortir. Tout là, on essaye de réviser les choses avec la mondialisation, soit avec l'ouverture, parce que ça se parle des Français, les étudiants, donc la plupart des parents payent leurs enfants des cours en français pour améliorer, pour pallier à ce manque. Et c'est pour ça que la société tout là, il y a toujours il est politiquement plus éveillé que les gouvernements guerriers. Voilà Rachid, ce que je peux te dire. ينطريه لك يعجز لافيون مغوبلان وديرو حارة كينا فبون كان يوال يموت نتحس فطاسي مي وتسوزن في كارة ثقونيتي وكنير نسنس محسزاكي ذي كندا غاسو لما يلسد وقبل داش علي سكوس قبل ذي مات أسقسينا ثوران ديرو حار كمال أو يفن ذي لين سين سقسين جيون مانا سوز كان تيري غيتي نسخ طري دماش طاح الوقت دوغ لا فوسك سيني سقسار محفوظ شكو بغات زغا تما وثيني كتشيني افان يشدن ايوا شو هذا بوغا تزيري يبغى اسعار نوس المزنا لونسينيمون لاغابيزاسيون لونسينيمون وداغا تورا مثلا تاكيرا ياكي تحت تاكيرا كذوا كان يوكلنا يتسعر يبغى غادي يبدل اسلم فرانسيس سجليزي تاسكو ذنيا ريك ساسكي سا فريمون نيا لونجلي ريك فران ذني الهني تصير ناغي لا وين يفرن ذا سيرتان كاز فيها تمور ليا كي وبدل انت فرانسيس سجليزي تنوك وصوات رشيد هذا سقسي نسعى نزال مليح خاطر سي فري تو بيان في دو ريغروبي لي دو كيستيون خاطر سعانت مليح اون ريلاسيون يا راسي تيبراني دينا محفوظ في لا كيسيون دارابيزاسيون اذا بلي لارابيزاسيون تسعى يوت لا فيناليتي تسعى يون يسوي كي بلو بروفون اون ديور دو لا لونغ سي لارابيزاسيون دي زام سادير بغاني ارابيزين ميم الروح يمدنن بغانو ليو يمدنن اد تخميمن اد تورويون اد 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 تسعون تيموغلي ستوتلاين يمثل سن نغ ستوتلاين اوفرت سور لونيفرساليتي بغا المدابيه تشدني مدانا يوث نتوتلايت وثوتلايت نتعرف توجور تشد ناتي مسلم دونك تسمى لارابيزاسيون الى بور فيناليتي لومبريغابادمون
l'arabisation des âmes, justement le dogme, l'endoctrinement, c'est pour dire qu'ils deviennent prisonniers dans leur propre corps et esprit. Ça veut dire qu'ils deviennent une grevesse, et qu'ils deviennent nous les mire, ils deviennent un ويديك نيتا ماشي ديك ندافع بدافع في لي ليبرتي نو غاني تفورمي لي مدان نسومي ويك ندي قبل كلشي اين دي ديال الصغور ودابو يويد قبل لي مدان سون ريزيستانس دونك لارابيزاسيون اي لا بور مويان دو فورمي دي زونديكابي مونتو سيتادير دي جون كي فون اتر بريزونيي دون لور بروبر dans leur propre, on peut dire, esprit, de cet esprit-là arabisé. Parce que l'arabisation, pour eux, ça veut dire, signifie la seule langue qui est plus importante, et il y a certains qui disent, dans le Coran, il y a tout. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de recourir à la lecture d'autres textes, mais tu vas te suffire seulement la lecture d'un seul texte. Ça veut dire, tu n'as pas besoin pour eux c'est pas obligé à trouver toute la ligne dans à trouver ta raf ta oui kulch zis kulch zdar à quel chubrani ad-dawin imdanen liut n'tikhtaf il va quitter jamais d'gran ad-gran t'ikhtafin n'tam donc ça veut dire n'y a n'an tamougli n'douni asksik wissin n'y a n'an derrière le remplacement du français par l'anglais comme première langue étrangère dans le secteur d'éducation. Alors, la finalité du pouvoir Zayer, il va remplacer le français par l'anglais, ce n'est pas la bonne intention. Il khatarisera entre l'arabisation et le français. Ta français, ça a, on peut dire, des capacités, que ce soit en matière de production scientifique, intellectuelle, tout ça, stromit, aïlent, kitabin, atas. Donc, Farab ou Zmir, il va concurrencer le français. Alors, je vais être remplacé par l'anglais sous prétexte que l'anglais est la langue de technologie, la langue la plus parlée au monde. Enfin, c'est-à-dire une langue pas autant que locuteur, parce que c'est aussi le chinois. Le chinois est une langue aussi la plus parlée dans le monde par rapport au mandarin, par exemple. Mais l'anglais, on veut qu'il va substituer au français. Leur intention véritable qui est cachée, qui n'est pas révélée, c'est d'abord désoler l'élite francophone. C'est important, c'est relié. Qui déclarent criminalisé d'utilisation du français, ce n'est pas pour rien, ça a une relation. À Khatrazaran, l'élite francophone, elle est réellement au fond de la lutte, ça a commencé depuis 62 entre l'élite francophone et arabophone. Et lorsqu'ils ont commencé à arabiser, l'élite arabophone commence à prendre du pouvoir, commence à être dans la gestion de l'État. Il y avait toujours une lutte entre élite francophone et arabophone. Mais aujourd'hui, pourquoi on veut remplacer le français par l'anglais? Il vise d'abord donc à dissocier, diviser, isoler l'élite francophone qui véhicule un message d'ouverture, il véhicule des valeurs de démocratie, des droits de l'homme, de séparer la politique de la religion, etc. Toutes ces valeurs-là sont défendues par les francophones. Alors, donc, isoler les francophones de la base, c'est un petit peu laisser l'élite arabophone qui est dominée par l'idéologie arabo-islamiste, qui vont être les seuls interlocuteurs et ougdoud. Justement, ils vont l'endoctriner et ça rentre dans la stratégie de cette arabisation-là des âmes. Donc, et en même temps, Ibn Qalayn ibn Sa'id Douman, pour la question de l'arabisation, les amazérophones sont visés, et bien ce remplacement du français par l'anglais vise les amazérophones, et particulièrement bien sûr la région de la Kabylie,
qui veut dire, qui est clair, c'est la seule région, on peut dire, en Afrique du Nord, qui résiste encore, qui ont adopté, on peut dire, le français comme butin de guerre, un petit dinaket biaisi. Donc, l'arrière-pensée véritable, c'est de viser les Amazighophones, particulièrement les Kabyles, parce que Kraouinilen s'chdem faromet, il s'chdem faromet comme un moyen de lecture, de réflexion, tout ça, il véhicule des idées universelles, c'est un moyen d'ouverture, et ce qui empêche justement, Widiknilen, Tnaron et Wakan Farbo, Fatidit Sao, Mchen, il va dominer des esprits, Widikin Jemed Sao Mchen, et c'est pour ça justement. Ahmed les يلعب ارابو ناسيوناليست كي نقول حكم نير دي زيستاميست كي يبغاني يو تي الحكم وي داك ني مره ديوت نتوشولت سمردنيني ام كي دنا ترجع لا فامي كي ريكو ديوت الفاميليا اما دا ابو الجزائر اما دي زارابو اسلاميست الرشيد كاتن ايو في التعويض ديوت الفاميليا ديوت نتوشولت ان كي دي قرار ترجع دونك ils n'ont pas la bonne intention. Soit disons d'opter pour l'anglais, soit disons une langue technologique, tout ça. Non, ce n'est pas leur intention, c'est de couper et d'isoler l'élite amazighophone de sa base. Et les arabistes vont être les seuls interlocuteurs ishab, bachas sa'din ayn vran, et wakken ishab, ils vont l'endormir. Voilà, Rachid Ferrer-Tusksi. سيد سكمل شو دنيض دانو كان قواليك شكون بغان يوان شكين يجان تموث القبائل بغان تازلن بغان سنك وقادي غان ديكس سيد متينس خطر زغان يوان نمذيان يوان نمولوز مامرين إلا دويني غان دمو سناو دس داوان يغان تسكلا تفرنسي سكنيس ثوثلين نظن ويدزين la Méditerranée, le latin, le grec, et de ce qui est un peu plus de temps. ثم ثار دا شكير اتجنى دا بوغ الجزائريين وفغاغا لي مولود ما مغير نظن كي نسيار بزاف اشكو سكابوني غانا كاتوث لاين كي يجلدين غاغو مازال تيكادا جلدين لن دامني ايو غاغا فنسن وكني توث لاين سن تاطاز غاغ زداف دنس مكيان دامني مولود ما مغير دينان ديوتكني تشقوث مزبون يقولا ديسيتوس سميس البونكي Dina et Dina, une aide de la mort absurde des Aztèques. Daron, Mouloud Mamri, une aide de Ken, tout l'aide, à Kamal, Bechekinir et Hyo, on connaît le Hora, le Hora Zeth, et la casse à Wanik, la casse à Népa. Amchikin, tu as ce que c'est nous, et Kamal, le problème de Nord, c'est Wan Tegara, et Mahfour, la Kedik Chini, ce que c'est nous. امكن زمان نخدم باش كلم فوق سي ال وانا كراوا يعقوبين نغلو سيستم جاكوبان ديك سلا تموت قبايل تم زغا سومتا يعني واش يون واش يون بوكا ذاك راح لنا كاتوغا جوستمون رشيد مولود معمري جوست ما كيتنيت سي تام بون فرانكوفون او ميم طون ديو نيلان ني شودن ني زوران تمازيغ تي شودن زوران متقبايلي في حياد تمازيغ في زراعة طاس متمطين متمزغا يوكن دياوي أولات نعم يروحون أما يثلاي متقبايلي نغ يثلاي النطن يجمع الدولات نيلان يويد جوستمون يوكن أد يخدم أد يسحيو تمازيغ أين تنيت جوستمون سي امبورتون أين تهضرت رشيد فين عنا لسين نخدم فين عنا لامور أبسيود ديزاستيك إيوش يخدم مولود معمري كومي انتروديكسيون إلى بيسيس دو تياتر أشكو فمزيون لبونكي en 73 يبغى دياني بلي يبغى عن دي سوحين كني إمازيغون أغن دياني بلي il y a un risque de disparition de notre civilisation أخاطر مولود معمري يناد justement l'histoire des Aztèques la mort absurde des Aztèques يناد aussi d'arrivée toutes les morts sont absurdes يناد أمزروي les Aztèques
Et d'ailleurs, ils ont les Aztèques, c'est leur ville, c'est Mexico. Donc, c'est entre 1200 après Jésus-Christ, 1521 après Jésus-Christ. Donc, c'est 1521 qu'il y a eu la disparition de cette civilisation aztèque donc, à Mexico. Donc, c'est important. Yuen, Moulin Mamri, va en dissoudre, en donner Velekouz, Tamazir, en tant que langue, culture et civilisation, risque de disparaître. À Khatar, en 73, et tout Tamazir n'est pas enseigné, donc il risque de disparaître. Surtout, peut-être en tant qu'anthropologue, c'est quelqu'un qui sait l'histoire des civilisations, il résévore les civilisations, donc il va en dire, il a qu'à déhadri un atas et auquel justement Tamazir jamais tsaou le même sort que la civilisation des Aztèques. Donc, dans cet essai, justement, il a parlé de la violence, de la déférence, de l'impérialisme. Et c'est pour ça, justement, à Rachid, qu'aujourd'hui, on peut dire l'idéologie arabo-islamiste, il vit comme étant de l'impérialisme. Donc, il fallait, en quelque sorte, essayer de faire tout à Dikhmioun Koulouch, et Wakun Tamazir ne va pas subir cette domination, ne va pas vraiment être tué autant que langue, culture et civilisation. Donc, justement, Mouloud Mamri, il a un état pour préserver ça. Et c'est pour ça que justement, c'est important de souligner ça. Mouloud Mamri, il n'a pas pris le pouvoir. Il a un état, sa langue, il n'y a personne qui va la défendre. Et c'est pour ça que justement, moi personnellement, je vois justement, et j'insiste, on doit revendiquer plus la réforme, enfin, y aller vers un autre système de gouvernance pour y aller vers des États régionaux, un État de l'Ukbayel, un État de l'Ukbayel, un État de l'Ukbayel, et oui, leur institution, et oui, qu'on a défendu toute l'Ukbayel, le Fidelsen, Farmansen, et oui, qu'on a défendu. Et les Aztèques au XVIe siècle. Donc, c'est important la réforme de Mamri. Et ce n'est pas pour rien. Donc, Moulin Mamri, tout ce qu'il écrit, il a une profondeur. Il a une profondeur dans le sens où il est anthropologue, dit Unilen, il dort, donc il a formé, il a la civilisation amazir. Et donc, c'est pour ça que Ar-Rachid Moulin Mamri, Ifaq, il n'est pas lui, il a un État, donc ni serait-ce pour l'individu une autonomie régionale, nous gérons nos propres institutions, à mettre l'éducation, à mettre l'économie, à mettre des riches nidan, donc il a un ça, que ce soit un État régional ou une autonomie régionale. Il est menacé avec l'arabisation, à travers les médias, l'arabisation des médias, tout ça. C'est une guerre contre eux. Tout est fait pour nous faire disparaître, Donc c'est pour ça que les Wid, il a dit vers de nos propres institutions. C'est un véritable danger si on va se référer et laisser le Mouloud Mamri la mort absurde des Aztèques en 1973. Voilà, Rachid, tu es rédactif ce تنميت كمال ترى دهما غطس الوقت او نجاكل ديني موال تقران وانا تزويرا سي محفوظ اوكي رشيد ثورا غني دينا كمال فاكن دا باس اسمي ثيدا فينو ولكن عربيزي نظام نمكي سينا طالب ابراهيمي اسمي كتف البوفوار اسمي قالان كتف السيستم ايديوكاتيف ان الجيري ني سون دوا فورمي لي الجيري ان عرب اي دوا بونسي ان عرب tu sais c'est une tâche c'est pas rien ce qu'il a demandé, ce qu'il a exigé. Donc, malheureusement, on est là pour ça. C'est pour ça que c'est une situation où on se démêle. Et puis aussi, la décentralisation.
Tu prends le cas du Canada, Claudius, tu prends le Québec, qui est une province qui a quand même ses prérogatives ainsi que politiques, et surtout en éducation. Ils ont favorisé la langue française par rapport à la langue anglaise, malgré qu'elle a sa place. Mais c'est ça le choix. Ça veut dire, nous, en Algérie, si demain, on va y aller avec le système d'autonomie des régions, ça va aider beaucoup à régler l'histoire des langues, l'histoire, parce que l'histoire des langues. Moi, admettons qu'à Bili, on est plus, il faut dire la vérité, on est plus francophone que les autres régions. C'est une réalité sociolinguistique dans des régions, admettons l'Ouest, peut-être rivelé pour l'espagnol, et tant mieux, c'est bon, c'est pas, on ne dirait pas non. Voilà un peu. En plein débat, il faut quand même multiplier ce genre d'initiatives, surtout des TQ5, un travail formidable à Rachid. C'est bien d'amener des gens comme ça, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs algériens, Kabil, qui ont leur point de vue sincère. Ce n'est pas un point de vue politique qui a une arrière-pensée. Parce que nous, à la carrosse des chemins, ils ont fait une transition politique, ils ont fait une constituante, on ne sait pas ce que l'avenir nous le dira, mais toutes ces questions-là, il faut qu'elles soient évacuées dans les débats éventuellement. Ça va être une constitution maintenant avec des Américains, des Français qui datent depuis plus d'un siècle, deux siècles, pour que ces choses-là doivent être inscrites des rythmes d'autres. Voilà un peu ce que je voulais dire à Rachid. Et puis, on espère que le projet guide des langues officielles. Moi, je maintiens toujours mon point de vue. Ça arabe, ça mazir, ça français, c'est le cas d'une petite lettre. C'est mon point de vue personnel. Pour le reste, je laisse ça pour le débattre. تنمية محفوظ أكيد النظ تكيسك وكيد سوينا ستفك مثلا يال يوانا تصين سعى وقاذ غران وقاذ وسعينا غام تكيث كيكي أنا تقنيتي وكني أد مثلا يعني وكني أد سوفونا شغلان كفغن ذيك سن توكس نيك نتأنا كي نصلي زغين على الشان الفيزيال إيه تكيسك تندكي وكني سنتفك مثلا يال يوان سوت ستكتي ويني نص كمل تغاد زيغا مضغوغا كا والد كاغا سوز الكان. اوكي رشيد دونك انت فاولي وانت كاغا شد ما دينيغ يود جوستمون سيزات يود يون الفا اكسي جوستمون دو ديبا سور لو سيستيم دو غوفرنونس دي صوت يولد اللي في مناطق نيلان سولون لو ديكوباج دي كونغري داسيوما مي ود نروح جوستمون يوكن يال تمنات تسعو سون بروبر سي بروبر انستيتيسيون وكنت دوي حريش ما تدمسا ما دا غرباز ما دا حريش النظام ايوي دا دي عاود يون لو ستاتو دي لونغ اون الجيري دونك يوكن كان بيرسونمون بغي غير لي لو كان الي جوستمون لي ستاتو دي لونغ اما دوفيسياليتي ناجرا يكفل لو بوفوار او نيفو دي ريجيون يوكن يال تمنات تخدم سا بروبر بوليتيك لينغويستيك تروازيامون ايوي دا رشيد داغان ايوي دا جوستمون دو ميتر فان ا لارابيزاسيون ني سوريس هما جوستمون le fait par exemple youth entrepreneurs les قبائل s'ils récupèrent l'éducation et je trouve arracher justement dans quel قبائل et oui d'être aussi fameux au moins pour un minimum ad nagon et وكن اسا arracher زمرت نغن او شوت ندلوف ad rohon استني منكني le système éducatif nilan et oui ad nختار خاطر الرشيد il y a la déclaration universelle des droits de l'homme 1948 juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un article dans cette charte-là qui parle clairement que les parents d'élèves ont le droit de choisir le système éducatif qui leur convient. Donc, ils sont contre l'arabisation de l'école, mais ils ne sont pas contre l'arabisation de l'école. Ils ne sont pas contre ايواش لي بارون بغانا تخدم لي كور بريفي باش تخدم البارومتر ايواش بغانا تشي عند دراسه تقرا انك لي ترونجي تجمع لي دريم بارتو لي مويان وكنا نروح لا تفغن كي مور دي وكن الدغران دون ان فيريتابل سيستيم ايديكاتيف لي بنان في الصح بنان في الديسكور راسيونيل اي نون با سور لو بوبوليزم سور لي راسيونيل سور سي تروك لا دونك كي تاكسي سور ايديولوجي ارابو اسلاميست دونك دابور اسقليجا ليدوكاسيون كيل سوا ريكوبيري اون اورجونس Donc c'est pour ça que
tu vois les convergence au moins dans le fait d'éducation en urgence. Il faut qu'il y ait ce genre de consensus. Donc, mais donc c'est pour ça que vraiment c'est très important d'abord de faire barrage à cette arabisation de l'école qui a ruiné des générations et qui ont ruiné bien sûr Thamour, parce que il ne peut pas former une élite qui peut gouverner demain un pays aussi grand que l'Algérie et de sortir de la rente, de la gestion rentière, et oui, dit là qu'il veut investir dans l'économie du savoir, dans le savoir, parce que le véritable pouvoir aujourd'hui, c'est le savoir. Aujourd'hui, il dit souffre de le virus, le coronavirus, Thamour, il est riche, il veut parce qu'ils ont investi dans le savoir, dans la recherche. ثمنت القبائل اللي ثمنت مزغه سومتا اي وي دانفيستير دون ليدوكاسيون اي سو ني با افيك لارابيزاسيون دو ليكول كون بوري فورمي لي ليد دومان كي فون سوفي جوستمون نوتر لونغ سيفيليزاسيون امشي دينا مولود معمري نوتر فيزيونير لا مور ابسور دي زاستيك سو زونتوندر بلي سي اون استوار كي كونسيرف اوسي ثغرما مزغه فوالا الرشيد ولي وانتقل Emil, kfir da Kemal Simou Mamri wan kdir foyer sa tit smtiara tik tisnaf dakken Mou Mamri nek tutlayt e wakna tidir il bda dola qarar at tsou awan kines dans toute langue auquel survie elle doit avoir sa prend son propre état sinir e Kemal Tanmir sa sinir Mahfouz Tanmir tiglan din bgir nt zgit ki fosaki ma tit tikel zawout ou tit tik tagawout tchko ki dner ad yhmou wasqir غزدات طاس الحور هو وال تيجاونا ديالين طاس ما يكفو الكوفيد داكي طاس يبدلون ديالين نسكاسي نيضونا تيلي ظاني دين بجي يو كنا نفكر عني تيكي ويني ليك هفاني بستون اشياء غزدات تنميه يا رشد محفوظ يا رشد تنميه كمال دوساتا كمال تدوي تنمير في ارتوفات قسقر دشي النظام هكا سكد ما نوض سي سنت النظام وديني هادشي غزين وديني قيمات ديال تلويث كنويث كنا مسيدي قيم من يزنا على الثوره